Ok, Risky Reel, ça va être blindé parce qu'il y a la quête et que bah, c'est le premier spawn, on a intérêt à bien drop. Hein. Ça va vraiment être blindé ça. Si on n'est pas un premier sur une arme, c'est la merde. Genre ça va être... je pense que ça va être du jamais vu normalement, hein. Peut-être que les gens vont pas y aller. Mais je pense que vu qu'il y a la quête et tout, ça devrait être bien blindé sa race. Il nous faut une arme. Ça serait bien d'avoir une AR, mais si on a... parce que je suis dans le mode sniper là. Mais en réalité je prends tout et n'importe quoi, ouais. Il y a beaucoup trop de monde hein. Pour seulement risquer, c'est n'importe quoi. On va pas être trop mal là pour faire le souterrain. C'est énorme. Ça c'est un de ces merdiers. Tard, il a une AR mais putain c'est pas du jeu, comment il a une AR déjà. Putain, mais encore des gens là. C'est vraiment la forêt, il y a encore des gens à l'infini, frère. Pas de munitions. Ça fait encore la mort. Hein. Pas de munitions. Il a 60 grenades environ. Il a build. Il y a encore un mec là-bas. Ouais, j'ai 0 balles. Il y a encore un mec dans un toit là-bas qui tire. Oh, il y a des munitions ici. J'ai shooté un peu par contre. Des munitions, oui. Oui, on a des munitions. Battle là-bas. Pas beaucoup de mun, faut pas tout consommer. C'est un bon duel d'autiste. Là j'ai pas d'explosif là. Pas rater ce shot.
des grenades. C'est même pas les siennes de grenades. Il est trop relou, lui. Lâche pas. Putain, et vraiment, niveau munitions, c'est la crise économique. C'est incroyable, on a rien du tout. Enfin, niveau munitions derrière, parce que niveau balles de snipe, normalement, ça va. Bon, on en a des balles de snipe, ça va. Mais alors, niveau balles d'air, c'est la crise absolue. Là, il est sur le toit, je crois. Non, il est dans le toit. Attention, il nous a vu, Oh, deux têtes, il doit pas avoir beaucoup d'HP. Attention, c'est 4. Il a l'air de savoir jouer, ce bâtard. Let's go. Elle était mieux stuff que les autres. Et il avait des munitions en plus. Mais il était pas mauvais, je pense. Il a pas trop mal géré son bail. On va juste faire ça. On va faire comme ça. Comme ça. Okay. 14 remain. Ah, c'est parti vite quand même. Bon, il faut qu'on trouve des gens là. On est toujours dans la zone, hein, pour le coup, tant mieux. On va aller sur le colis là-bas, c'est possible que ça attire quelqu'un. Toujours attirer des gens les colis. On a une grenade aussi. Putain, la gueule de la maison, elle est toute ravagée. Ah franchement, si les gens se tuaient pas aussi vite, vu qu'on était parti très bien avec 9 kills très rapidement, enfin très rapidement, franchement, ça a duré quoi, 4 minutes tous les 9 kills. C'était pas long, hein. Et pour un mode sniper, c'est pas mal, parce que c'est pas le mode le plus facile pour faire beaucoup de kills. On aurait pu faire une très grosse game, là, ça va être un peu chaud quand même de faire vraiment du lourd. On a un piège. Ouais, c'est que ça. On va juste essayer de boire ça. Ah, les gens, ils se tuent en plus. Normalement, si j'attends par là, je devrais poser des gens. Ah, merde. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Ok, je le vois. Ok, bah dis donc, c'est Monsieur Explosion. Noble, celui-là, faut faire gaffe. J'ai bientôt plus de construire. Putain, il est trop chiant, il a une balle pour sauver. Wow. Il était pas mauvais, lui, je pense, vraiment. Ça se voit qu'il était bien stuffé, il nous a balargué tout ce qu'il avait dans la poche. Et là, ça va être une façon bête. On va descendre avant. Ça tire de où? Ça tire de là-bas, je crois. Ah oui. Attention. Parce qu'il va me tirer dessus, Coco. Ça va. Il a l'air de savoir jouer ici, le gars en face. Redescendre. Attends, on va juste prendre ce bandage avant. On va vite redescendre de là parce que après on peut nous faire tomber et on crèverait bêtement. Hop. Tirer quasiment en même temps, ouais. J'ai pas où ils sont juste là. Putain, la chatte que j'ai, les deux, il fallait leur mettre une balle. Ce chat absolu, franchement. Alors là, j'ai rien à dire, c'est vraiment de la chance. Hein. Les deux gens, ils étaient low HP, ils ont dû se mettre une balle chacun. Moi j'arrive, je finis le sale travail. Il y a un mec qui est mort dans la tempête, ça me fait chier parce que moi qui suis parti sur une pour une game faire pas mal de kills là que je perds un kill bêtement parce qu'un mec mort dans la tempête c'est pas cool, tu vois, j'ai un peu le seum même. On aurait pu faire une game, enfin un kill de plus quoi. C'est pas la fin du monde mais bon. On va y aller en jump pad à mon avis. Ouais, j'en ai deux en plus des jump pads. Voilà, attends, bon, regarde, parce que lui il est pas dans la zone. On va escalader par là. Faut juste pas qu'il nous shot. On va escalader par là et puis on va l'attendre gros. Il se dit quoi?
il est pas dans la zone, donc là on va se faire une petite tour à la fin, il va juste la garder. Il est derrière le truc là. Ou alors non, il est, ouais, il est là-bas derrière. Ah, il va rentrer dans le truc. Oh, ouais, j'espère qu'il va pas camper là. Mais de toute façon, je crois pas qu'il puisse camper là-dedans, c'est dans la zone. Logiquement, il peut pas. Hein. Oh, ça me ferait chier. Surtout, il va passer par en bas et il va faire tout le tour, ce qui serait très relou. Oh non, il peut pas me faire ça, le mec, quand même. Non. Il vient me taper. Il avait pas l'air mauvais, en plus. Enfin... Bon, bah, il va passer par le bas, donc il devrait sortir par là ou de l'autre côté, on va voir. Ah non, il est nabré, lui. Hop hop. Ah, il était low HP de ouf aussi, putain, mais abusé hein. Le game gros c'est full miette. Je touche que des mecs qui ont des HP genre. Il y a un mec là-bas, je rêve. Wow, oui, il y a bien un mec. Rate-moi, touche en l'air s'il te plaît. Touche-moi pas quand je suis en l'air. Merci cousin. Tu fais quoi? T'es perdu? Je sais pas si c'est un noob ou pas. Non, ça a l'air d'aller. Wow. Comment ça tu me touches en no-scope? Ok, il m'a fait peur lui avec son no-scope. Imaginez, il me met une tête maintenant en no-scope. Parce qu'il avait pas l'air très fort en vrai. Et bah ça m'aurait ruiné ma game. Hein. Ouais, avec le... Bah attends, faut que je clutch, mais avec le mec qui était... S'il était pas mort dans la tempête, j'aurais pu faire une 18 kills. Ce qui est vraiment pas mal pour du solo. Hein. Faut pas oublier qu'on est en mode solo. C'est beaucoup plus dur de faire des gros scores de kills en solo qu'en squad. Hein. Bon bah, on va trouver le dernier. Hein. Je sais pas du tout où il est. Est-ce qu'on a un... Non, on a pas de... Déjà, faut essayer de voir si c'est un noob ou pas le dernier. Si c'est un noob, on pourra peut-être s'amuser avec lui, c'est vrai. Ça vient d'où? Merde, je sais pas du tout où ça vient. J'ai pris des balles, je sais pas d'où. Ça fait chier ça. Je crois que ça venait de là-bas, mais je suis quand même pas sûr en fait. Bah c'est relou, ça c'est un problème. Il m'a clairement tiré dessus. Bah attends, on va se re-exposer, comme ça s'il nous retire dessus, bah on aura l'info. J'espère qu'il nous mette une tête quoi, ça casserait les couilles avec 16 kills, c'est quand même pas trop mal. Bah ouais, je sais, vraiment je sais pas, je crois que ça venait soit de nord soit dessus, toi, clairement, mais alors... Est-ce qu'il va nous retirer dessus là? Non? Oui, non, peut-être. Là-bas, il y a un gros truc, c'est nous qui avait construit ce truc, je crois. Je sais pas. Cousin, t'es où? Donc elle est là juste là, on essaie de le trouver. Ouais, ce serait compliqué maintenant, je trouve que c'est un mec très bon et on pourra faire attention, ça se trouve c'est une grosse merde et là on pourra peut-être s'amuser, on verra. Après ce mode est tellement, enfin, voilà, à tout moment, même si c'est une grosse merde, il nous met un no-scope et shot, hein, c'est pas impossible. Hein. Ça m'est déjà arrivé, bon, pas quand j'avais ses skills, c'est vrai que ça me foutrait plus ses sommes. Bah du coup, ouais, je sais pas où il est, hein. Il m'a tiré dessus, faut pas qu'il crève dans la zone, ça non plus, ça je te le repars, hein. C'est déjà qu'il y en a un qui est mort dans la zone. Hein. Tellement random au niveau. Ah bah y'a une tour là-bas, c'est peut-être lui. Mais ça se trouve c'est un vieux truc aussi, je sais pas. C'est pas impossible qu'il soit lui dans la tour là, on va faire attention. C'est quand même bien suspect, ça c'est en plein milieu de winning. On va juste attendre 3 secondes de la prochaine zone, comme ça on pourra se placer un peu. Ok, bah... Est-ce qu'il est dedans en fait? J'ai pas d'explosif. De toute façon il est même pas dedans, donc faut faire attention. Là. Si si, il est bien dedans. Mais ça perd une merde spécialement, donc on va faire attention. Mais non, mais j'en ai marre à chaque fois. Pourquoi tu te suicides? En fait, c'était une grosse merde. Mais pourquoi tu te suicides, gros? J'allais faire 17 kills. Ce qui est pas ouf, mec. Oh, mais j'ai ça, man. Déjà l'autre fois, j'avais fait une game, j'étais à 15 kills, le dernier, il suicide. Donc à chaque fois, en fait, le last, il suicide, alors que j'aurais pu m'amuser avec lui. Bon, bah voilà, c'est ce kill. On s'est quasiment pas fait toucher de la game, si. Ah, quand même, on a perdu 300 HP. Bon, on a eu de la chasse sur la fin, hein. Franchement il y avait 3 mecs, on leur a mis juste une balle. Vraiment beaucoup de chance. Mais bon, je pense pas que ça va changer grand chose parce que j'ai pas été vraiment en danger un moment, peut-être une fois, ouais. Quand il y avait le mec qui m'envoyait des grenades. Bon bah voilà. Mode only snipe, j'ai un mode que j'aime beaucoup. Et je suis un peu deck, franchement, t'enlèves les deux gars qui se tuent tout seul, j'aurais pu faire 18 heals sans problème, parce que vous avez vu que là,
Il n'y a pas vraiment de mec qui m'a mis vraiment grosse difficulté. Un peu deg, mais bon, c'est la vie, c'est le jeu.